Les vêtements majeurs, c'est sûrement Refuge Laval, c'est l'impact que Refuge Laval a eu. Mais pour vous, c'est quoi? Ah ben moi, pour moi, c'est une grande prise de conscience. C'était une. On pense jamais, pour commencer, jamais. Moi, je ne sais pas si d'autres l'ont pensé, mais moi, je pense pas, je pense personne de nous pensait que c'était pour avoir une répercussion semblable. Nous, on avait à le faire parce qu'il fallait se sortir, puis crier peut-être l'angoisse qu'on avait, puis il fallait que ça sorte. Bordeaux l'a écrit tout seul, le film global, on l'a discuté beaucoup. J'ai Bordeaux qui l'a écrit tout seul, et puis donc on l'a publié à 400 exemplaires de monographie. En fait, ça, je pense. On ne sait pas du tout que c'était pour avoir cet impact-là. Mais est-ce qu'à l'époque, ça avait eu... Bon, à l'époque, Bordua a perdu son poste, tout ça. Est-ce que, je sais pas, dans les journaux, tout ça, est-ce qu'il y a eu un gros impact? C'est pas par après qu'on est revenu à refuser d'être. Oui, c'est après. Parce que... Dans les médias, bon, ben, il y a eu la perte de ça, il y a eu que papier pour passer dans les journaux. J'ai fait descendre royalement. Et nous, on trouve que c'est beaucoup plus la peinture du qui ont été importants comme changement que le refus global. Finalement, par après, là, on peut ressortir le refus global, dire c'est des disons, bon, tu vas être obligé de quitter, etc. Mais pour lui, c'est beaucoup plus toute l'action des automatistes, les peintures, ce que vous faisiez, qui remettait en question. Oui, ça, je suis pas mal d'accord avec lui. C'est que c'était, on était extrêmement dynamique. C'est, quand je regarde ça, là, c'est pas possible d'avoir fait tant de travail en si peu de temps. On fonçait, il n'y avait rien à faire. De toute façon, c'était la barre, mais le suicide. Alors, une chambre, vous aviez, c'était on parle dans le mur noir, puis il y a quelque chose dans le trou, on sortir. Puis on vous dit, je pense qu'il n'y avait même pas un choix. C'était fait, c'était une impulsion de vie. Total et irrémédiable, et puis il fallait passer par là, ou alors c'était le désespoir, puis c'était le suicide, ou l'autre possibilité de sacrifier son camp, mais il y avait très peu de gens qui avaient les moyens de pouvoir partir, de partir hors des sous, comme on était pauvres des plus fortunés. Alors, et ceux qui sont restés, mais c'était foncé, quoi. C'est où il y a l'activité, sûrement de la peinture, avec beaucoup. Mais toute l'activité, pas que ce soit bien tout, mais on fait l'activité d'art, ou bien les publications, ou bien les expositions, ça bardait, voilà, ça bardait royalement. C'est vrai que le Refuge Global, même quand il était publié, il n'a presque pas eu d'impact, c'est beaucoup après que son impact viendra, avec d'autres générations, maintenant. C'est ça la génération qui nous suivra. Dans ce sens-là, oui, c'est toute une activité, et le reculement viendra beaucoup plus important à l'autre génération, parce que moi je considère ma génération comme une génération foutue, finie, ah oui? À faire, oui. Les gens de mon âge, je considère ça, on n'a rien à foutre, mais la seule chose qu'on a fait, c'est des fusillés. Je sais, je travaille avec eux, ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et c'est aussi insignifiant que c'est qu'il y a 40 ans ou il y a 30 ans. C'est drôle ce que vous dites là, parce que, et nous, quand on a décidé de choisir pour le communisme, on disait la même chose dans une entrevue. De toute façon, pour moi, c'était foutu. Je dirais que c'est pas facile à cerner, je dis. À cause de cette qualité, il est très intelligent et supérieurement intelligent. Il y a toujours une façon de se protéger, de se camoufler. C'est le jeu d'esprit, c'est le mot d'esprit. C'est cette façon de verbalement de se parer les choses. Il y a quelque chose dans ça. En fait, moi, je crois que c'est une très grande timide. C'est un homme qui essaie à se protéger. Je pense qu'il a peut-être eu bien mal. C'est peut-être bien mal. Et il y a un côté désarmant, ce côté se rire,
avec ses blagues, des fois qui sont un peu faciles, mais des fois qui sont très subtiles, et pas trop faciles, pas tout le temps. Moi, je le trouve bien fascinant, c'est un mec que j'aime beaucoup. On ne le voit pas souvent, mais ça, c'est l'importance. Je crois qu'on s'entend bien. Et un côté rêveur aussi, oui, pertinent, je trouve ça assez marrant aussi. Quoi que m'avait apparu assez déçu, avant qu'il part pour Mexico. La fois qu'il était venu ici, il y avait quelque chose d'amer, non pas d'amer, mais de comme une espèce de brisure. Il me paraissait beaucoup mieux quand je l'ai vu, moi environ par hasard, sur la Russie, on l'a vu souvent, sur la fois qu'il était de retour. Me paraissait beaucoup mieux, là, il avait parlé à Francesca. Je crois que c'est un très grand poète. Il n'a pas lu son nom, il n'a pas lu son nom. En fait, donc, il a eu pas mal d'influence dans le milieu, dans le processus de faire l'activité.